Ah, vous êtes là. Bonjour et bienvenue à Castres, au stade Pierre Favre, magnifique enceinte. Nous sommes ici pour honorer un club, le Castres Olympique, la révolte, hein, comme le titre le superbe journal Oscar Midi Olympique, mais également un joueur, Mathieu Babillon, à peine 25 ans, il est au club depuis l'âge de 13 ans, une année extraordinaire, sélectionné par les Barbarians français contre les Maori All Blacks, et également une sélection avec l'équipe de France. Il a déjà un avenir prometteur, je vous propose de le découvrir. Somebody say you got a new friend. But does she love you better than I can? And yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself. I'm in the corner watching you kiss her, oh, oh, oh. And I'm right over here, but why can't you see me? Oh, oh, oh. And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, and I keep dancing on my own. Caminati au tableau, la vision sans action est un rêve, t'as 2 heures. Bon, avec une légende, on ne présente pas Julien Caminati. Julien, un petit mot sur Mathieu. Non, Mathieu, ouais, c'est un minot que j'aime bien. Toujours respectueux, toujours la bonne parole. Je suis très content qu'il soit devenu international parce qu'il le mérite. Et voilà, je pense qu'il a une belle carrière qui s'annonce devant lui. Et voilà, je suis très très content d'avoir fait sa connaissance. Un défaut? Ben, le problème c'est qu'il a un gros cul quoi. C'est ça. Non, mais... Bon Anthony, ton ami Antoine Dupont a été Oscar Midi Olympique, là c'est Mathieu Babillot. T'as un peu de jalousie? Non, pas du tout, je suis très content pour Mathieu parce que vraiment Mathieu le mérite, il fait une année magnifique et l'année dernière c'était pareil, il a fait une grosse saison et je suis content qu'il soit récompensé cette année. Une qualité de Mathieu? Ah, Mathieu, il a le cœur sur la main, il donne toujours et ça reprendra quoi. Et un défaut? Défaut, bon, il en a plusieurs, je pense. Il se prend pas pour n'importe qui quand même, avec sa moto là. Et... Ah oui, on m'a dit, il a une Harley Davidson, c'est ça? Ouais, ouais, il se prend vraiment pour un motard et ça me paraît bizarre de lui quand même. C'est étonnant de voir un homme de Centrafrique sur une Harley Davidson. Ouais, ouais, on n'a jamais vu ça, c'est le premier apparemment. There's all kinds of music. Fast and loud, soft and slow, classical and pop, rhythm and blues. Nous sommes ici dans le salon de massage du Castres Olympique. J'avais une question, est-ce que il y a les happy end? Non, on fait pas ça. On fait, enfin, lui, il fait, mais pas... Là-bas, pour les finitions, c'est là-bas. Bon, je voulais savoir s'il y avait le happy end dans le massage. Non, toujours pas. Parle-moi un petit peu de Mathieu, qui est Oscar Midi Olympique. Écoute, Mathieu, quand on est arrivé il y a 3 ans, on avait un vestiaire qui était assez hétérogène, on va dire. Entre les anciens qui avaient beaucoup gagné, les jeunes qui avaient du mal à trouver leur place, les nouveaux joueurs qu'on avait amenés qui étaient aussi en difficulté. Et lui, ce garçon, Mathieu Babillot, issu de Castres,
qui avait fait la filière France, etc., des jeunes, faisait un peu le lien entre, toutes ces générations. Et je trouvais qu'il était, pour un jeune mec, parce qu'il avait à l'époque 21 ans, mec assez étonnant, quoi, assez étonnant. Qui est très ambitieux, travailleur, ouais, dans le projet. Et en même temps, il nous a aidés à faire passer nos idées. C'était un vrai appui pour nous parce qu'il aidait les gars à s'intégrer, il aidait les jeunes dans son sillage à bousculer les hiérarchies. La deuxième année, il a été encore plus performant, on s'est encore plus appuyé sur lui. Et cette année, bon, voilà. C'est l'apothéose, Babas, équipe de France. Marge de progression encore ? Ouais, je crois. Ouais. Je sais pas si c'est je suis pas sûr que ce soit une apothéose pour lui. C'est plus un point de départ à mon avis, quoi. Il est heureux d'être à Castres, il est heureux d'être dans le projet, il est heureux de vivre du rugby, il est heureux de ce qui lui arrive. Et c'est contagieux, quoi. C'est contagieux, quoi. Donc ça, c'est pour nous entraîneurs, c'est un vrai bonheur, quoi. Bon, je suis entouré de la famille Babillot. À ma gauche, Théo. À ma droite, Maëva. Voilà, c'est la famille Babillot. Bon. Théo, toi, engagé dans l'armée, là t'es en Perm, et demain tu pars où ? Donc demain je pars pour Pau, donc pour faire mon brevet parachutiste, et ensuite je serai... Y'a la roue ! C'est ça, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ton grand frère Mathieu, c'est un grand frère comment ? Il est protecteur ? Oula, très protecteur. Non, vraiment, on est très famille. Mathieu avec nous, c'est... Voilà, il tient son rôle de grand frère à cœur, vraiment. Bon, Maëva, alors c'est vrai que c'est un grand frère protecteur. Ah oui, c'est vraiment un grand frère protecteur. Toujours là si on a besoin de lui. C'est comme un papa. Ouais. Ouais. Et t'étais fière de ton grand frère, j'imagine ? Ah oui, très. Parce qu'il doit qu'à lui-même et il a beaucoup travaillé pour ça. Bon, d'accord. Maintenant, on l'a bien brossé dans le sens du poil. On va donner quand même des défauts parce que vous êtes sa famille. Allez, un défaut. Il peut s'énerver vite. Impatient. Ben voilà, écoute Mathieu, je suis très fier de toi. Et nous, ta famille, on sera toujours là derrière toi, quoi qu'il arrive. Voilà. Et je t'aime très fort. On sera toujours là, comme Théo te l'a dit. Et on est une famille unie, je t'aime. Oh, c'est beau. Vous pouvez pas m'adopter comme frangin aussi ? Parce que je suis sympa aussi. Hein. Non, mais assez d'embrouille.